C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés en bord de chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés en bord de chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillir le ciel au creux de leur main? Comment cueillir la providence, refusant de penser au lendemain? Dans le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas.